Amidom Si, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le dernier épisode de cette carrière suivie sur Sans Servant V3. Bienvenue pour faire aujourd'hui la ligne N2 entre Jardin des Valacs et Maison Blanche avec le Iveco Urbanway 12 mètres, 3 portes, dit Step C, donc qui vient du DLC Urbanway Natural Power sorti il y a pas très longtemps, je sais plus quand exactement, mais il est sorti il y a pas très longtemps. Aujourd'hui, eh bien, nous allons faire une ligne de 30 minutes plus ou moins, voilà. Donc, alors sachez que je ne savais pas quoi vous prendre comme bus pour ce dernier épisode. Je me suis dit un petit GX électrique. Non, j'ai déjà mis en avant le 436 dans les trucs du bus, le 137E dans un live roleplay. Vous prendre un Urbino de ce bol. Je vous ai déjà mis en avant la version hydrogène dans une précédente chronique du bus. Et les versions électriques ont des sons assez similaires. Voilà. J'arrivais pas à savoir ce que j'allais prendre. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi je ne sortirais pas l'Urbanway récemment sorti, étant donné que je prévois que pour notre troisième live roleplay sur Saint-Servant V3, j'aurais sorti son grand frère articulé. Comme ça, vous voyez le 12 mètres et vous avez déjà un petit avant-goût de la version articulée qu'on fera quand on fera le troisième live roleplay sur Saint-Servant, normalement dimanche, mais c'est à confirmer, car voilà, il y aura peut-être un petit report. Voilà. Mais restez connectés, vous aurez plus d'informations dans le live de ce soir, parce que oui, ce soir, ce sera le grand final sur Saint-Servant, où nous ne ferons que les nouvelles lignes de cette nouvelle version. Voilà. Alors, je vais déjà initialiser le véhicule. Voilà, puisqu'on part dans pas très longtemps, avec les petits rétro-caméras à gauche et à droite. La ligne n'a rien du tout parce que c'est pas activé. Voilà, quand tu veux. Hein. Voilà, donc, hein. Voilà, où est-ce qu'il est? Ah, ici. Voici donc le trajet de la ligne que nous allons faire. Une ligne relativement longue, hein, quand même. Petite ligne de presque 40 minutes, mine de rien. Donc, je pense que pour les amateurs de moteurs Tector, non, c'est Tector, je sais plus. Je sais plus si c'est Cursor ou Tector sur les GMV. En tout cas, pour les amateurs de ce moteur, vous êtes au paradis. 40 minutes du bruit de votre moteur préféré. Voilà. Ah là, ok. Bah écoutez, on va aller se mettre en place. Alors, je ne sais pas pourquoi l'afficheur ne fonctionne pas. En tout cas, quand j'ai contacté le dispatch, ils m'ont dit « Non, c'est bon, tu peux y aller !» Étant donné que t'es le seul bus dans le coin aujourd'hui, les gens savent que tu fais la M2. Et comme t'auras pas beaucoup de passagers, sympa. Ah ben, vous savez, ça arrive dans la vraie vie aussi d'avoir des bus où l'afficheur ne fonctionne pas. Hein. Dans ce cas-là, tu mets juste un bout de carton sur le pare-brise. Ah, c'est bon, je transiste. Et c'est réglé. Allez, bon, on est parti. Prochain arrêt, Jardin des Valacs. Ligne N2. Destination, Maison Blanche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Mais le reste du bus fonctionne, c'est ça qui est drôle. Ah là là, le chauffeur qui allume pas ses phares. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Prochain arrêt, Résistance. Ligne N2. Destination, Maison Blanche. Ah, on a un petit peu d'avance. Voilà, on va réguler. Enfin, réguler. C'est vrai quand même qu'il a une sacrée patate au démarrage, le bus. Hein.
Regarde ça, le plus que t'appuies sur la pédale, tu décolles, hein. En tout cas, j'espère pour les, enfin, j'espère en tout cas que tous les épisodes qu'on aura fait sur Saint-Servant V3 vous auront plu, puisque ce soir, ça y est, c'est le live grand final ce soir à 21h, où on va se concentrer uniquement sur les nouvelles lignes de la V3, donc tout ce qui est 14, 15, 17, C24, A et B. Alors pour les navettes du stade, je ne sais pas si on a ce soir. Prochain arrêt, Joliot-Curie. Avoir assez de GNV, je pense. Alors, je pense que je vous avais parlé il y a presque au début de cette guerre suivie que j'avais quelques idées de nouvelles lignes pour Saint-Servant. Alors, je ne sais pas si je ferai. Des épisodes bonus pour vous montrer mes prochain idées. Prochain arrêt, Carnot. Enfin, on verra bien. Ligne N2. Destination Maison Blanche. Donc je disais avant d'être interrompu par la voix que j'avais quelques idées de lignes pour Saint-Servant. Alors je ne sais pas si je vous les montrerai en guise de vidéo bonus à cette guerre suivie. C'est pour ça que ce ne seront pas les épisodes sur 16, mais ce sera une autre numérotation, je verrai bien. Parce que ce ne sont pas des lignes incluses avec la map, c'est juste des idées de lignes que j'ai eues. Prochain arrêt, cours Victor Hugo. Il n'y a pas beaucoup hein, d'idées de lignes que j'ai eues, on a peut-être, je pense, 2 ou 3 lignes. Parmi ces idées, l'idée de faire une ligne express entre l'hôtel de ville et Guerre Fayence, par exemple. Ligne N2, destination Maison Blanche. En vrai, cette ligne N2 a un midi-bus est amplement suffisant quand même. Et vas-y, il faut que tu aies un objet qui vienne tout pomper, super. Prochain arrêt, Collège Dreyfus. Ligne N2, destination Maison Blanche. Désolé pour le bam bam, mais je suis obligé, sinon le bus avance plus.
Et j'ai regardé les prix pour ces nouveaux pédaliers de G29. C'est 150 balles en occasion et autour de 309. Hein. Et ça, malheureusement, les 150 euros, je ne les ai pas. Oula, j'ai pas freiné assez tôt. Par contre, quelqu'un peut m'expliquer comment changer le bruit des clignotants de ce bus? Prochain arrêt, espace CDM. Ligne N2, destination Maison Blanche. Ah, la N2, ça fait vraiment, j'ai envie de vous dire, tout un pan de la carte en fait, hein. Prochain arrêt, médiathèque. Ligne N2, destination Maison Blanche. Dommage que le nom de l'arrêt n'apparaît qu'une fois que t'as tout fermé et que tu quittes l'arrêt. Ça, c'est un peu dommage. Un peu bête. Hein. Et puis après tout, il est vrai que dans cette guerre civile, on n'a pas encore pris de bus au gaz, donc. Prochain arrêt, Foch, Galarne. N2, destination Maison Blanche. Prochain arrêt, Hôtel de Ville. Avec les micro-lags d'Omzi qui fait que t'as l'impression que tu freines pas alors que si. Bon, ça y est, j'ai le feu vert là. Ah, quand même. Ah, mon pédalier, il aime pas ses bus. Hein. Ça fait déjà 3 fois que je claque mon pied sur la pédale. Hein. Que je lui fais pas ça puisqu'il avance pas. Ligne N2, destination Maison Blanche.
Bah, apparemment, ça a l'air de bien se passer ici. Ici, j'ai activé les, entre guillemets, textures haute résolution d'HomeZ 2, avec les reflets et tout. Ça a l'air de bien se passer. J'ai pas l'air d'avoir de crash. Croisons du doigt, touchons du bois. Bon, j'ai pas de bois ici, je l'ai du métal. Portée de main, mais. Non, comme c'est. Prochain arrêt, avenue de Toulon. Ligne N2, destination Maison Blanche. Prochain arrêt, Tolanville. Ligne N2, destination Maison Blanche. Ah, ça c'est un arrêt bien placé. L'arrêt au feu rouge. Parce que comme ça, le temps que t'as ton feu rouge, tu peux embarquer, débarquer des gens. Allez, troisième claquage. Ah non, ça va, il est reparti. La boîte, elle veut pas, hein. Allez, nous allons avoir un crash d'Homzy, messieurs dames. Il est trop instable. Prochain arrêt, Océane. Oui, mon pas, je continue. On en est où sur la ligne? Oh, elle est même pas à la moitié, quoi. Ah, ce bruit clignotant, je pense que c'est un peu agaçant au bout d'un moment quand même. Je ne me souviens plus si dans les 7 var tu peux le changer, le bruit clignotant. Prochain arrêt, Joffre, Pont du Gard. Ligne N2, destination Maison Blanche.
Attendez, c'est moi ou ma joke de... Allez! Ah, la idemzy! Là, voilà, là, tu peux couper ton moteur, t'es pas prêt de passer tant que t'as des bagnoles. Voilà, maintenant tu dois rester là comme un con, à attendre. Prochain arrêt, capitainerie. Je vais juste abaisser un peu mon sofa. Destination, parce que je vous avoue que Maison Blanche. Dans la pièce où je suis, je crève de chaud. Alors qu'on est en hiver. Là, je dois limite faire péter le ventilateur qui est à côté de moi parce que... Prochain arrêt, restaurant universitaire. Ligne N2, destination Maison Blanche. Merde, le feu rouge. Je peux pas m'arrêter, je suis sur ma lancée. Prochain arrêt, P+R des Jardins. Je crois que mon bus, il a un problème avec la boîte, hein. Prochain arrêt, Ajon. Oh merde, il y a un million de points. Prochain arrêt, Glaïeul. Ici.
Ligne N2. What? Destination. Pourquoi il vole lui? Alors normalement je dois faire le tour du rond-point, mais bon, vu que c'est la nuit et qu'il n'y a personne. Et il y a quand même un peu de monde hein, pour un bus de nuit à presque 2h du matin dans le jeu. Prochain arrêt, Genève. Ligne N2. Destination Maison Blanche. Ça, par contre, c'est bien. Et voilà, encore bloqué. Je disais, je sais plus ce que je disais. Allez, double chargement dans le virage, on apprécie. Et un blocage du pédalier. Super. Mais c'est vraiment avec ce bus que j'ai vraiment, vous voyez, le... J'ai prochain vraiment arrêt, l'impression que... Collège de la Bollardière. La boîte, elle a du mal, quoi. Ligne N2. Destination Maison Blanche. Heureusement que la deuxième porte, tu peux la verrouiller par toi-même si tu vois que le dev est trop long, quoi. Prochain arrêt, la Marne. Prochain arrêt, Urbania. Ligne N2. Destination Maison Blanche.
Ah, le fameux rond-point que j'ai complètement foiré dans la dernière vidéo. Allez, un petit objet qui charge, plein chargement dans le virage, super. Prochain arrêt, Lillebonne. Ligne N2, destination Maison Blanche. Ça va tellement plus vite d'ouvrir les portes manuellement que d'utiliser le dev, c'est un truc de fou. Ah non, c'est pas ici, le fameux double feu rouge, là. Prochain arrêt, Stade Salif Keïta. Ligne N2, destination Maison Blanche. Prochain arrêt de Coubertin. Ligne N2. Destination Maison Blanche. Et on ne doit plus être très loin du terminus, je pense. On est où? Ouais, on a 10 minutes du terminus à peu près. Voilà, comme ça la vidéo se termine dans 10 minutes pour les gens qui ont accéléré un petit peu l'épisode. L'épisode qui va être vachement long aujourd'hui. Hein. Enfin, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi j'aime pas faire des grosses lignes. Parce que, alors oui, sur Homesy 2, ça vous annonce 30 minutes. Mais dans les faits, si vous comptez tous les ralentissements, les freezes, le retard que vous prenez aux arrêts, au moins facile à 45 voire 50 minutes, quoi.
Voilà, le temps qui passe sur Homzy 2 n'est pas le même temps qui passe dans la vraie vie. Parce que le temps qui passe, ben, quand Homzy freeze, rame ou charge des trucs, ben voilà. Normal. J'espère juste que Homzy va pas cracher. On n'a plus que 10 minutes de ligne, j'espère juste qu'il va pas cracher parce que je vous avoue que j'aurai un petit peu la flemme de refaire tout cet épisode. En sachant que j'ai pas beaucoup de temps. En ce moment. Prochain arrêt, route Ouais, de bon. Vannes. Le feu rouge, hein, c'est bon. Hein. On est en plein milieu de la nuit, il n'y a plus rien qui roule. Ligne N2, destination Maison Blanche. Par contre, je vous le dis tout de suite, si là maintenant on crache, j'arrête la vidéo et c'est bon, parce que actuellement j'ai tout juste le temps d'enregistrer cette vidéo juste avant sa sortie, parce que les 2 jours qui précèdent la sortie de la vidéo, je suis assez occupé et comment je veux dire, j'ai tout juste retrouvé, je pense, une stabilité acceptable sur Saint-Servant après le gros bug que la plupart des gens qui jouent sur la map ont reçu. Ouais, bon, y'a personne, on peut y aller, hein. Prochain arrêt, centre commercial Farian, On se place range. de Verfontaine. Dans la journée, je le respecte. La nuit, vu qu'il n'y a rien qui roule, je ne le respecte pas. Ligne N2, destination Maison Blanche. Ah, il ne le fait plus, les problèmes qui donnent l'impression que la boîte est le canne, il ne le fait plus. Bon, ici, je pense que vous connaissez le reste de la ligne. Donc voilà, on va juste faire une 2. Voilà, on fait une 2 jusqu'à Robert Schumann et après, on va redescendre par Petit Kerfayence. Si je me souviens bien l'itinéraire. En fait, la N2, c'est un mélange de plusieurs lignes. Donc. C'est l'arrêt au-dessus, moi. Prochain arrêt, Robert Schumann. Ligne N2, Pourquoi elle s'ouvre destination pas la porte Maison arrière? Blanche. Là, vous saviez, monsieur, vous pouvez juste appuyer sur le bouton, ça déverrouille la porte. Hein. Il y a juste un petit bouton au niveau des portes, vous appuyez dessus, clac, ça ouvre la porte. Hein. Ah oui, on prend un petit peu de C20 ici. Ah, il n'y a plus qu'une personne dans le bus, à mon avis, ça doit être un passionné qui accompagne le chauffeur. Ah, il n'y a plus que... Comment s'appelle-t-il encore ce monsieur-ci? Il n'y a plus que Richard qui nous accompagne. Richard est peut-être un amateur de bus, hein? Qui sait? Alors peut-être que c'est un collègue qui va jusqu'au dépôt Ory Voyage, tu vois? Peut-être que comme ça, il va déjà aller au dépôt. Comme ça, il fait sa prise de service un petit peu en avance. Enfin, je ne sais pas à quelle heure part le premier bus qui est exploité par Auré Voyage, mais...
Il aura un petit peu d'avance comme ça. Prochain arrêt, Petit Kerfeuillance. Ligne N2, destination Maison Blanche. Ah oui, je vois par où on passe. Moi, je pensais qu'on faisait. Enfin, je ne me souvenais plus du trajet de la N2, mais je pensais qu'on tournait à droite, qu'on remontait par Kerfeuillance et qu'on faisait un peu de 204. Mais là, non, on va passer par le stade. C'est dommage que sur OMSI, vous ne savez pas voir en temps réel la ligne que fait la personne. Prochain arrêt, stade de Verfontaine. Enfin, je veux dire par là que vous êtes sur Bus Compagnie et que vous n'avez pas un chiffre. À côté de la personne. Destination Maison Blanche. Ah, par contre, il y a des problèmes de température dans le bus, il fait super chaud. Ça sert plus à rien de mettre la ventilation dans deux arrêts, c'est le terminus. Prochain arrêt, Maurice Ravel. Voilà, prochain arrêt, c'est le terminus. Et je pense d'ailleurs que je suis le dernier N2, je crois. Allez, le beau petit chargement plein virage. Ah, si ça crache, ah bah, double chargement. OMSI nous dit, allez, c'est bon, arrête ta vidéo, est assez long. Prochain arrêt, Maison Blanche, terminus. Et voilà, terminus. Ah, le dev qui marche plus. Ah, ça y est, la porte arrière fonctionne. Ah oui, il faut mettre le frein à main. Et après, tu peux éteindre le bus. Voilà. Eh bien voilà, nous voici arrivés au terminus de la ligne N2 Jardin des Valacs Maison Blanche. Et c'est avec cette arrivée que je vous annonce officiellement la fin de la carrière suivie sur Saint-Servant V3.
Voilà, donc sachez que le 16e et dernier épisode de cette série de vidéos va se clôturer ce soir à 21h avec le grand final sur Saint-Servant V3 qui sera par contre lui spécialisé sur tout ce qui est nouvelle ligne de cette mise à jour, donc tout ce qui est 14, 15, 17, C24A et C24B. Alors je pense que je ne ferai peut-être pas les trois navettes du foot parce que comme vous le savez, ces navettes ne roulent que lorsque... Elle ne roule qu'à certaines dates et à certaines heures, et je pense que ce soir, ben voilà, elle ne rentre pas dans ces critères. Voilà. Et bien sur ce, messieurs, dames, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous d'avoir assisté à ces 15 épisodes de nos aventures sur Saint-Servant V3, malgré les péripéties auxquelles nous avons fait face à travers ces 15 vidéos. Sachez que mon contenu sur Saint-Servant n'est pas encore totalement terminé, parce que ce soir, vous avez à 21h le grand final. Et il y a un troisième live roleplay qui vous attend, un live roleplay spécial Chronobus où nous ne ferons que des Chronobus avec la version articulée de l'Urbanway qu'on apprend aujourd'hui, à savoir donc l'Urbanway 18 mètres GNV 4 portes Saint-Servant qui arrivera dans notre troisième live roleplay sur Saint-Servant B3. Dont la date, alors normalement c'est ce dimanche, mais je vous informerai ce soir ce qu'il en retient, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, sachez que je ne sais pas vous dire là tout de suite dans la vidéo si c'est confirmé ou pas. Voilà, je vous invite à regarder le live de ce soir et voilà, je vous dirai si oui ou non il y a un live de prévu ce dimanche. Voilà, comme ça vous le savez. Ah ben je crois qu'il est temps d'arrêter parce que le jeu me dit assez bon, gros. Voilà, t'as assez cassé les pieds avec ton speech de fin, c'est bon, tu peux arrêter là. Voilà, allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous donne rendez-vous à ce soir pour le grand final de la carrière suivie. Voilà, pour de prochaines aventures. Voilà. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Merci à vous d'avoir assisté à la carrière suivie sur Saint-Servant V3. Et on se retrouve ce soir à 21h pour le live grand final sur la carte. Allez, sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Cliquez sur la cloche pour être informé de l'arrivée du nouveau contenu. Rejoignez le Discord Groupe Tech Avelia, dont vous aurez les liens dans la description. Et ce soir à 21h pour de nouvelles aventures. Ciao, bye.